From the Conference Center in Salt Lake City, Utah. Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, en Utah, voici la session du samedi soir de la 193e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur composé d'étudiants de l'Institut de religion de Logan, en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Dallin H. Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi soir de la 193e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes reconnaissants pour tous nos membres et nos amis, dont beaucoup regarderont cette réunion dans le monde entier. La musique de cette session sera interprétée par un chœur composé d'étudiants de l'Institut de religion de Logan en Utah, sous la direction de Bryson Ashcraft, Derek Stauffer et d'Alan Matthews, avec Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Ô vaillant guerrier d'Israël ». Frère Jorge Becerra, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Our beloved and eternal Heavenly Father, notre bien-aimé et éternel Père céleste, nous inclinons nos têtes devant toi dans cette soirée magnifique pour te remercier pour toutes les bénédictions magnifiques que tu as posées sur nous. Nous louons ton Fils, nous l'aimons et nous sommes reconnaissants pour son sacrifice expiatoire qu'il a fourni pour que nous puissions tous retourner vers toi pour être purifiés et sanctifiés. Par les paroles de prophètes et apôtres, nous sommes reconnaissants pour eux et prions pour eux et nous te demandons de nous donner la foi pour pouvoir faire les changements nécessaires dans nos vies, pour nous permettre d'être un peu mieux et de te suivre de façon un peu plus soutenue. Nous te prions ce soir pour la jeunesse de l'Église, spécialement la génération montante. Nous prions pour que plus de jeunes gens vont entendre l'appel et l'invitation du prophète à servir une mission et qu'ils partent et enseignent le monde, au monde, la doctrine de ton Fils, pour qu'ils puissent participer aux ordonnances et vivre les alliances. Nous sommes reconnaissants d'être réunis et prions pour nous permettre de changer avec le petit principe de fait et de foi et d'action dans nos vies. Et nous prions pour ces choses au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Elder Becerra. Merci, frère Becerra. Et merci au cœur de Logan, de l'Institut de Logan, pour le cœur. Vous faites vraiment partie de ces guerriers d'Israël. Le cœur va maintenant chanter « Jésus naît bien humblement ». Après ce chant, nous entendrons Marc Bragg, des 70. Et il sera suivi de frère Milton Camargo, qui est le premier conseiller dans la présidence générale de l'École du dimanche. Jesus was.
La dernière fois que j'ai pris la parole lors d'une conférence générale, mon gendre Ryan m'a montré un tweet qui disait vraiment, ce type s'appelle brag, qui signifie se vanter, et il ne parle pas d'humilité. Quel gâchis. Malheureusement, la déception va continuer. Mon merveilleux père était un joueur de basketball de renom de l'université de UCLA, sous la direction du légendaire entraîneur John Wooden. Ils sont restés proches tout au long de la vie de mon père et de temps en temps, Monsieur et Madame Wooden venaient dîner chez nous. Monsieur Wooden était toujours heureux de me parler de basketball et ou de tout autre sujet qui me préoccupait. Un jour, alors que j'entamais ma dernière année d'études secondaires, je lui ai demandé quels conseils il avait à me donner. Fidèle à son rôle d'instructeur, il m'a répondu « Ton père m'a dit que tu es devenu membre de l'Église de Jésus-Christ. Je sais donc que tu as foi au Seigneur. Avec cette foi, veille à avoir du calme et de l'assurance dans toutes les situations. Sois un homme juste dans la tempête. » Au fil des ans, cette conversation m'est restée à l'esprit. Ce conseil d'être calme, posé et concentré dans toutes les situations, en particulier dans les moments d'adversité et de pression, a résonné en moi. J'ai vu comment les équipes de l'entraîneur Wooden jouaient avec assurance et sang-froid et le grand succès qu'elles ont connu en remportant 10 championnats nationaux. Mais on ne parle pas beaucoup de sang-froid de nos jours et on le pratique encore moins en période de turbulence et de division. Le sport y fait souvent référence. Un joueur qui a du sang-froid est imperturbable dans un match serré, tandis qu'une équipe qui s'effondre par manque de sang-froid. Cette merveilleuse qualité va bien au-delà du sport. L'assurance et le sang-froid s'appliquent à la vie de manière beaucoup plus large et peuvent être une bénédiction pour les parents, les dirigeants, les missionnaires, les instructeurs, les étudiants et tous ceux qui affrontent les tempêtes de la vie. L'assurance spirituelle nous permet de rester calme et concentré sur ce qui compte le plus, en particulier lorsque nous sommes sous pression. Président Brown a enseigné « La foi en Dieu et dans le triomphe suprême du bien contribue à l'assurance mentale et spirituelle face aux difficultés. » Le président Nelson est un merveilleux exemple d'assurance et de sang-froid spirituel. Un jour, alors qu'il effectuait un quadruple pontage coronarien, la pression artérielle du patient a brusquement chuté. Le docteur Nelson a calmement évalué la situation et a constaté qu'une pince avait accidentellement été enlevée par l'un des membres de l'équipe. La pince a immédiatement été replacée et le docteur Nelson a réconforté le membre de l'équipe en lui disant « Je t'aime toujours ». Puis il a ajouté en plaisantant « Il y a des moments où c'est plus vrai que d'autres ». Il a montré comment gérer une situation d'urgence avec sang-froid en se concentrant uniquement sur ce qui compte le plus, résoudre la situation. Le président Nelson a déclaré « C'est une question d'autodiscipline extrême ». Votre réaction naturelle est de dire « Sortez-moi de là, professeur, je veux rentrer chez moi ». Mais bien sûr, vous ne pouvez pas. Une vie dépend entièrement de toute l'équipe chirurgicale. Vous devez donc rester aussi calme, détendu et vif que vous l'avez toujours été. Bien sûr, le Sauveur est l'exemple ultime d'assurance et de sang-froid. Dans le jardin de Gethsémané, dans une agonie inimaginable, alors que sa sueur devenait comme des grumeaux de sang, il a donné l'exemple de l'assurance divine par la déclaration simple mais majestueuse « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Sous l'immense pression d'accomplir le salut de toute l'humanité, Jésus a manifesté trois qualités importantes qui nous aident à comprendre sa grande assurance. Tout d'abord, il savait qui il était et a été fidèle à sa mission divine. Ensuite, il savait qu'il y avait un grand plan du bonheur. Enfin, il savait que grâce à son expiation infinie, toutes les personnes qui s'attachaient fidèlement à lui en contractant et en respectant les alliances sacrées reçues grâce aux ordonnances de la prêtrise seraient sauvées, comme l'a enseigné Frère Renan de manière magnifique aujourd'hui. Pour illustrer la différence entre perdre et garder son sang-froid, pensez à ce qui s'est passé lorsque le Christ et ses apôtres ont quitté le jardin de Gethsémané. Face aux soldats venus arrêter Jésus, Pierre a perdu son sang-froid et a réagi violemment en coupant l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. Jésus-Christ, en revanche, a gardé son sang-froid et a ramené le calme dans une situation tendant en guérissant Malchus. Pour ceux d'entre nous qui ont du mal à garder leur calme et qui sont peut-être découragés, réfléchissons au reste de l'histoire de Pierre. Peu de temps après cet incident et l'épisode déchirant du reniement du Christ, Pierre s'est présenté devant les mêmes dirigeants religieux qui avaient condamné le Sauveur
et avec beaucoup d'assurance et de sang-froid, durant une interrogation intense, un interrogatoire intense, a rendu un témoignage éloquent de la divinité de Jésus-Christ. Examinons les caractéristiques de l'assurance et du sang-froid du disciple du Christ. Pour commencer, le fait de savoir qui nous sommes et d'être fidèles à notre identité divine apporte le calme. L'assurance chrétienne exige que nous évitions de nous comparer aux autres ou de prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas. Joseph Smith a enseigné, si les hommes ne comprennent pas la personnalité de Dieu, ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Il est tout simplement impossible d'avoir l'assurance divine sans savoir que nous sommes des filles et des fils divins d'un Père céleste aimant. Dans son discours intitulé « Des décisions pour l'éternité », le président Nelson a enseigné ses vérités éternelles sur notre identité. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de l'Alliance et des disciples du Christ. Il a ensuite promis « Si vous vous attachez à ces vérités, notre Père céleste vous aidera à atteindre votre but ultime de vivre éternellement en sa sainte présence ». Nous sommes véritablement des êtres divins spirituels en train de vivre une expérience dans la condition mortelle. Le fait de savoir qui nous sommes et d'être fidèles à cette identité divine est essentiel à l'acquisition de l'assurance du disciple du Christ. Ensuite, le fait de se rappeler qu'il y a un grand plan engendre le courage, l'assurance et le sang-froid dans les conditions difficiles. Néphi pouvait répondre « J'irai, je ferai » comme le Seigneur l'avait commandé, ne sachant pas d'avance ce qu'il allait faire parce qu'il savait qu'il serait guidé par l'Esprit dans l'accomplissement du plan éternel d'un Père céleste aimant. L'assurance vient lorsque nous voyons les choses avec une perspective plus éternelle. Le Seigneur a recommandé à ses disciples « Levez les yeux et que la gravité de l'éternité repose sur votre esprit ». En regardant les périodes difficiles dans le contexte d'un plan éternel, la pression devient un privilège pour aimer, servir, enseigner et bénir. Une vision éternelle permet d'avoir une assurance de disciple du Christ. Enfin, le pouvoir habilitant du Christ, rendu possible par son sacrifice expiatoire, nous donne la force de persévérer et de prévaloir. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons faire alliance avec Dieu et être fortifiés en respectant cette alliance. Nous pouvons être liés au Sauveur dans la joie et le calme, quelle que soit notre situation temporelle. Le chapitre 7 d'Alma enseigne magnifiquement ce qu'est le pouvoir habilitant du Christ. En plus de nous racheter du péché, le Sauveur nous fortifie dans les faiblesses, les craintes et les difficultés dans cette vie. En nous concentrant sur le Christ, nous pouvons faire taire nos craintes, comme l'a fait le peuple d'Alma à Elam. Alors que des armées menaçantes se rassemblaient, ces fidèles disciples du Christ ont fait preuve d'assurance et de sang-froid. David Bednar a enseigné, « Alma a conseillé aux croyants de se souvenir du Seigneur et de la délivrance qu'il était le seul à pouvoir accorder. Et la connaissance de la protection du Sauveur qui veille sur eux a permis aux gens de faire taire leurs craintes. » C'est un exemple d'assurance et de sang-froid. Noé nous a beaucoup appris sur la patience dans la tempête, mais le Sauveur a été le plus grand instructeur de la manière de survivre à une tempête. Il est le grand homme dans la tempête. Après une longue journée d'enseignement avec ses apôtres, le Sauveur eut besoin de se reposer et suggéra de passer en bateau sur l'autre rive de la mer de Galilée. Alors que le Sauveur se reposait, une violente tempête se leva. Tandis que le vent et les vagues menaçaient de faire sombrer le bateau, les apôtres commencèrent à craindre pour leur vie. Et souvenez-vous que plusieurs de ces apôtres étaient des pêcheurs qui connaissaient très bien les tempêtes sur cette mer. Cependant, inquiets, ils réveillèrent le Seigneur et lui demandèrent, « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Alors, avec une assurance et un sang-froid exemplaire, le Sauveur se leva, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis, il donna une grande leçon d'assurance et de sang-froid à ses apôtres. Il demanda, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Il rappela qu'il était le Sauveur du monde et qu'il avait été envoyé par le Père pour réaliser l'immortalité et la vie éternelle des enfants de Dieu. Assurément, le Fils de Dieu n'allait pas périr sur un bateau. Il donna l'exemple d'une assurance divine parce qu'il connaissait sa divinité.
et qu'il savait qu'il existait un plan de salut et d'exaltation et combien son expiation serait essentielle à la réussite éternelle de ce plan. C'est grâce au Christ et à son expiation que toutes les bonnes choses se produisent dans notre vie. Si nous nous rappelons qui nous sommes, savons qu'il existe un plan divin de miséricorde et puisons du courage dans la force du Seigneur, nous pouvons tout faire. Nous trouverons le calme. Nous serons des femmes et des hommes justes dans n'importe quelle tempête. Puissions-nous rechercher la bénédiction de l'assurance et du sang-froid du disciple du Christ, non seulement pour nous aider dans les moments difficiles, mais aussi pour soutenir les autres et les aider à traverser les tempêtes de leur vie. En cette veille du dimanche des Rameaux, je témoigne joyeusement de Jésus-Christ. Il est ressuscité. Je témoigne de la paix, du calme et de l'assurance céleste qu'il est le seul à apporter dans notre vie. Je le fais au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. My father used to tell me, mon père me disait toujours, ne te concentre pas sur tes problèmes au point de limiter ta capacité d'en voir la solution. Je témoigne que le Seigneur Jésus-Christ est la solution à nos problèmes, même les plus difficiles. Il en a notamment surmonté 4 auxquels chacun d'entre nous est confronté et qu'aucun d'entre nous ne peut résoudre seul. Le premier problème est la mort physique. Nous pouvons essayer de la retarder ou de l'ignorer, mais il nous est impossible de la surmonter seul. Jésus-Christ, lui, a vaincu la mort pour nous. Par conséquent, nous ressusciterons tous un jour. Le deuxième problème comprend les épreuves, les expériences difficiles, la tristesse, la douleur et l'injustice de ce monde. Jésus-Christ a vaincu tout cela. Un jour, il essuiera toute larme des yeux des personnes qui s'efforcent de le suivre et il arrangera la situation. En attendant, il nous fortifie pour que nous traversions les épreuves avec confiance, courage et dans la paix. Le troisième problème est la mort spirituelle causée par le péché. Jésus-Christ a surmonté ce problème en prenant sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Grâce à son sacrifice expiatoire, nous pouvons être libérés des conséquences de nos péchés en ayant foi au Sauveur, en nous repentant sincèrement et en acceptant l'alliance que le Père nous offre par des ordonnances essentielles comme le baptême et en persévérant jusqu'à la fin. Le quatrième problème est notre nature imparfaite et limitée. Jésus-Christ a aussi la solution. Il ne se contente pas d'effacer nos erreurs et de nous rendre à nouveau innocents. Il produit un grand changement dans notre cœur, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Nous sommes perfectionnés par la grâce du Christ pour un jour devenir comme lui. Malheureusement, nous nous concentrons trop souvent sur nos problèmes au point d'en oublier la solution, notre Sauveur Jésus-Christ. Comment éviter cette erreur? Pour moi, la réponse se trouve dans les alliances que nous sommes invités à contracter avec lui et notre Père Céleste. Nos alliances nous aident à concentrer notre attention, nos pensées et nos actions vers le Christ. En nous attachant aux alliances que nous avons faites, nous identifions plus facilement les choses de ce monde que nous devons délaisser et les choses d'un monde meilleur que nous devons rechercher diligemment. C'est ce qu'a fait le peuple d'Aman dans le livre de Mormon. En apprenant à connaître Jésus-Christ, en se concentrant sur lui, les gens ont pris conscience qu'ils devaient enterrer leurs âmes de guerre. Ils sont devenus parfaitement honnêtes et se distinguaient par leur zèle envers Dieu. Le respect des alliances nous pousse à rechercher ce qui favorise la présence de l'Esprit et à rejeter tout ce qui le chasse. Car nous savons que si nous sommes dignes de la présence du Saint-Esprit, nous serons aussi dignes de vivre à la présence de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Cela peut signifier que nous devons parler avec plus de douceur ou remplacer des habitudes malsaines sur un plan spirituel par de nouvelles habitudes qui fortifient notre relation avec le Seigneur, notamment la prière
et l'étude des Écritures quotidiennes, personnelles et en famille. Russell M. Nelson, le président de l'Église, a dit « Chaque personne qui contracte des alliances dans les fonts baptismaux et les temples et qui les respecte bénéficie d'un accès plus grand au pouvoir de Jésus-Christ. Le respect des alliances avec Dieu apporte en récompense le pouvoir céleste, pouvoir qui nous fortifie pour mieux surmonter nos épreuves, résister à nos tentations et affronter nos chagrins. Chaque dimanche, nous avons une excellente occasion de nous éprouver nous-mêmes et de recentrer notre vie sur Jésus-Christ en renouvelant nos alliances pendant la Sainte Cène. En prenant la Sainte Cène, nous déclarons que nous nous souvenons toujours de lui. Le mot « toujours » est très important. Il étend l'influence du Sauveur à tous les aspects de notre vie. Nous ne nous souvenons pas de lui uniquement à l'Église, lors de notre prière matinale, ou lorsque nous sommes en difficulté et que nous avons besoin de quelque chose. C'est vrai que nous sommes parfois distraits. Nous oublions. Notre attention s'égare. Toutefois, en renouvelant nos alliances, nous montrons que nous sommes disposés à nous souvenir toujours du Sauveur et nous nous y efforçons pendant la semaine, que nous nous y engagerons de nouveau et recentrerons notre attention sur lui à la table de Sainte-Cène la semaine suivante. Il est évident que le fait de nous concentrer sur Jésus-Christ est plus qu'une activité du dimanche à l'Église. Lorsque le président Nelson a présenté « Viens et suis-moi » en 2018, il a déclaré « Le temps est venu pour une Église centrée sur le foyer ». Il a ajouté que nous devions transformer notre foyer en sanctuaire de foi et en centre d'apprentissage de l'Évangile. Et il nous a fait quatre merveilleuses promesses, si nous le faisons. Première promesse, vos jours du sabbat deviendront un délice. Ce sera une journée où nous nous rapprocherons de notre Sauveur. Une jeune fille du Pérou a dit, « Le jour du Seigneur est le jour où je reçois le plus de réponses de sa part. » Deuxième promesse, vos enfants seront heureux d'apprendre et de vivre les enseignements du Sauveur. C'est pourquoi nous parlons du Christ. Nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Nous le faisons pour qu'un jour, lorsque notre fils ira travailler, faire une randonnée dans les montagnes ou chasser des bêtes dans les forêts, comme l'a fait Enos, il se souvienne de ce que nous lui avons appris sur le Christ et sur la joie de vivre l'Évangile. Et qui sait, peut-être que ce sera le jour où il ressentira enfin la faim spirituelle qui le tournera vers Jésus-Christ afin qu'il entende la voix du Seigneur lui dire « Tes péchés te sont pardonnés et tu seras béni ». Troisième promesse, l'influence de l'adversaire dans notre vie et votre foyer diminuera. Pourquoi? Parce que plus nous nous concentrons sur Jésus-Christ, plus le péché perd de son attrait. À mesure que notre foyer se remplit de la lumière du Sauveur, il y a de moins en moins de place pour les ténèbres de l'adversaire. Quatrième promesse, les changements dans votre famille seront spectaculaires et réconfortants. Pourquoi? Parce que le changement qu'apporte Jésus-Christ est puissant. Il change notre nature même. Nous devenons de nouvelles créatures. Nous ressemblons de plus en plus au Sauveur, rempli de son amour pur pour nous tous, les enfants de Dieu. Qui ne souhaite pas que ces promesses s'accomplissent dans sa vie et dans sa famille? Que devons-nous faire pour les obtenir? Nous devons faire de notre foyer un sanctuaire de foi et un centre d'apprentissage de l'Évangile. Comment nous y prendre? En nous concentrant sur notre Père céleste et sur Jésus-Christ, en les mettant au centre de notre vie familiale et en faisant d'eux l'influence la plus importante dans notre foyer. Je vous suggère de commencer en intégrant dans votre vie quotidienne les paroles du Christ qui se trouvent dans les Écritures. Il n'y a pas de formule prescrite pour l'étude parfaite des Écritures. Elle peut durer 5 ou 10 minutes par jour, voire davantage. Ce peut être la lecture d'un chapitre ou de quelques versets chaque jour. Certaines familles préfèrent étudier le matin afin de partir à l'école ou au travail. D'autres préfèrent lire le soir avant de se coucher. Certains jeunes couples m'ont indiqué qu'ils étudiaient individuellement sur le chemin du travail et qu'ils s'envoyaient ensuite leurs idées par SMS.
de sorte que leurs discussions et commentaires soient enregistrés. Le programme « Viens et suis-moi » propose de nombreuses activités et ressources qui aident les personnes et les familles à apprendre les principes de l'Évangile à partir des Écritures. Les vidéos sur la Bible et le Livre de Mormon sont également des outils précieux pour rendre les Écritures plus accessibles à votre famille. Les jeunes et les enfants sont souvent inspirés par les histoires mémorables des Écritures. Accompagnées des principes de l'Évangile qu'elles enseignent, elles demeureront avec vos enfants tels des amis fidèles lorsqu'ils auront besoin d'exemples de service, de vertu, d'obéissance, de patience, de persévérance, de révélation personnelle, de charité, d'humilité et de foi en Jésus-Christ. Avec le temps, votre diligence à vous faire un festin de la parole de Dieu aidera vos enfants à se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Ils apprendront à le connaître mieux que jamais auparavant. Le Seigneur Jésus-Christ vit aujourd'hui. Il peut être une présence active et quotidienne dans notre vie. Il est la solution à nos problèmes. Mais nous devons lever les yeux et concentrer notre attention pour le voir. Il a déclaré, « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas. Ne craignez pas. » En nous concentrant sur lui et sur notre Père Céleste, en contractant des alliances avec eux et en les laissant être l'influence la plus importante dans notre foyer et notre famille, nous deviendrons le genre de peuple dont le président Nelson a eu la vision. Nous serons un peuple qui est capable, prêt et digne de recevoir le Seigneur à son retour. Un peuple qui a déjà choisi Jésus-Christ au lieu de ce monde déchu. Un peuple qui se réjouit d'employer son libre arbitre pour vivre les lois plus élevées et plus saintes de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au signal du directeur de musique, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter le cantique de Pâques. Chantons tous plein d'allégresse. Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Brett Natress et Juan Uceda des 70. This is the Saturday evening session of the 193rd Annual General Conference. J'assistais à la session du samedi soir de la 193e Conférence Générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thank you.
Several years ago, Sister Il y a plusieurs années, Sœur Natress et moi avons déménagé en Idaho où nous avons ouvert une nouvelle entreprise. Je passais de longues journées et de longues nuits au bureau. Heureusement, nous vivions à quelques pas de là. Chaque semaine, Shana et nos trois filles, toutes âgées de moins de 6 ans, venaient au bureau pour que nous déjeunions ensemble. Un jour, j'ai repris le travail après notre déjeuner en famille et Shana est rentrée à la maison avec nos trois fillettes. Plus tard, dans l'après-midi, j'ai remarqué que notre fille de 5 ans, Michelle, m'avait laissé un message personnel sur une note adhésive collée à mon téléphone de bureau. Elle disait simplement, « Papa, souviens-toi de m'aimer. Bisous, Michelle. » En tant que jeune père, c'était un rappel puissant des choses qui ont le plus d'importance. Frères et sœurs, je témoigne que notre Père Céleste se souvient toujours de nous et qu'il nous aime parfaitement. Ma question est, nous souvenons-nous de lui et l'aimons-nous? Il y a des années, j'étais un dirigeant local de l'Église. L'un de nos gens, de nos jeunes gens, Danny, était remarquable à tous égards. Il était obéissant, gentil, bon et avait un grand cœur. Mais après l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires, il a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Il est tombé dans la drogue, en particulier la méthamphétamine, et s'est enfoncé dans l'engrenage de la dépendance et de la destruction. Rapidement, son apparence a complètement changé. Il était méconnaissable. Le changement le plus remarquable était dans ses yeux. La lumière qui éclairait son regard s'est éternie. À plusieurs reprises, j'ai essayé de lui tendre la main, mais en vain. Il n'était pas intéressé. Quelle tristesse de voir ce jeune homme extraordinaire souffrir et mener une vie qui ne lui ressemblait pas. Il était capable de tellement plus. Puis, un jour, son miracle a commencé. Il a assisté à une réunion de Sainte-Seine où son frère cadet, qui s'apprêtait à partir en mission, a rendu témoignage. Pendant la réunion, Danny a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il a ressenti l'amour du Seigneur. Il avait enfin de l'espoir. Malgré son désir, Danny a eu du mal à changer. La dépendance et la culpabilité qui l'accompagnent étaient presque insupportables. Un après-midi, alors que je tondais notre pelouse, Danny est arrivé à l'improviste en voiture. Il n'allait pas très bien. J'ai éteint la tondeuse et nous nous sommes assis ensemble à l'ombre sur une marche du porche. Il a alors déversé son cœur. Il voulait réellement revenir, mais il avait énormément de mal à se libérer de la dépendance et à changer de mode de vie. En plus de cela, Danny se sentait extrêmement coupable. Il était honteux d'être tombé si bas. Il m'a demandé, « Puis-je vraiment recevoir le pardon? Est-il vraiment possible de revenir? » Après l'avoir écouté déverser ses préoccupations, nous avons lu ensemble le chapitre 36 d'Alma. « Oui, je me souvenais de tous mes péchés et de toutes mes iniquités. Oui, la pensée même de retourner en la présence de mon Dieu torturait mon âme d'une horreur inexprimable. » Après ces versets, Danny a dit, « C'est exactement ce que je ressens. » Nous avons continué. Tandis que j'étais dirigé par le souvenir de mes nombreux péchés, voici, je me souvins aussi d'avoir entendu mon Père prophétiser au peuple concernant la venue d'un certain Jésus-Christ, un Fils de Dieu, pour expier les péchés du monde. Et ô, quelle joie et quelle lumière merveilleuse je vis. Tandis que nous lisions ces passages, les larmes se sont mises à couler. La joie d'Alma était la joie que Danny recherchait. Nous avons parlé du fait qu'Alma avait été exceptionnellement méchant, mais qu'une fois repenti, il n'a jamais regardé en arrière. Il est devenu un disciple dévoué de Jésus-Christ. Il est devenu prophète. Danny a écarquillé les yeux. Il a répété, « Un prophète ?» J'ai simplement répondu, « Oui, un prophète. » Mais je ne te mets pas d'impression.
Nous avons parlé du fait que bien que les péchés de Dany ne soient pas aussi graves que ceux d'Alma, il avait droit à la même promesse offerte à tout le monde. Le pardon complet est parfait dans et par l'intermédiaire de l'expression infinie de Jésus-Christ. Maintenant, Dany avait compris, il savait ce qu'il devait faire. Il devait commencer par faire confiance au Seigneur et se pardonner lui-même. Le grand changement de cœur de Dany a été un véritable miracle. Avec le temps, son aspect a changé et la lumière qui lui éclairait les yeux est revenue. Il est devenu digne de se rendre au temple. Il était de retour. Au bout de plusieurs mois, j'ai demandé à Dany s'il souhaitait envoyer une demande pour faire une mission à plein temps. Cela l'a surpris et émerveillé. Il a répondu, « Je serais heureux de faire une mission, mais vous savez par où je suis passé et ce que j'ai fait. Je croyais être disqualifié. » J'ai répondu, « C'est peut-être vrai, mais rien ne nous empêche de faire une demande. Et si elle est refusée, tu sauras au moins que tu as manifesté le désir sincère de servir le Seigneur. » Ses yeux se sont éclairés. Cette idée le ravissait. Les chances lui paraissaient très minces, mais il était disposé à tenter sa chance. Quelques semaines plus tard, et à son grand étonnement, un autre miracle s'est produit. Dany a reçu un appel à faire une mission à plein temps. Quelques mois après son arrivée dans le champ de la mission, j'ai reçu un appel téléphonique. Le président de mission de Dany a simplement dit, « Mais qui est ce jeune homme ?» C'est le missionnaire le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Vous voyez, ce président avait reçu un Alma le jeune des temps modernes. 2 ans plus tard, Dany est rentré chez lui après avoir servi le Seigneur honorablement et de tout son cœur, de tout son pouvoir, de tout son esprit et toute sa force. À peine étais-je rentré chez moi, le jour de son rapport missionnaire à la réunion de Sainte-Seine, que j'ai entendu frapper à la porte. C'était Dany, les larmes aux yeux. Il m'a demandé, « Peut-on se parler un instant ?» Nous sommes sortis au même endroit, sous le porche. Il m'a demandé, « Frère, est-ce que vous pensez que j'ai vraiment été pardonné ?» Maintenant, mes larmes coulaient avec les siennes. Devant moi se tenait un disciple dévoué de Jésus-Christ qui avait donné le meilleur de lui pour parler du Sauveur et témoigner de lui. Il était l'incarnation du pouvoir guérisseur et fortifiant de l'expiation du Sauveur. Je lui ai répondu, « Dany, tu t'es regardé dans un miroir, tu as vu tes yeux, ils sont remplis de lumière et tu es rayonnant de l'Esprit du Seigneur. Bien sûr que tu es pardonné. Tu es formidable. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est aller de l'avant. Ne regarde pas en arrière. Avance avec foi vers la prochaine ordonnance. » Le miracle de Dany se poursuit aujourd'hui. Il s'est marié au temple et est retourné à l'université où il a obtenu une maîtrise. Il continue de servir le Seigneur avec honneur et dignité dans ses appels. Chose plus importante encore, il est devenu un excellent mari et un père fidèle. C'est un disciple dévoué de Jésus-Christ. Le président Nelson a enseigné dans « Sans l'expiation infinie du Sauveur, tout le genre humain serait irrémédiablement perdu. » Dany n'était pas perdu aux yeux du Seigneur et nous ne le sommes pas non plus. Jésus se tient à la porte pour nous élever, nous fortifier et nous pardonner. Il se souvient toujours de nous aimer. Une preuve admirable de l'amour du Sauveur pour les enfants de Dieu est rapportée dans le Livre de Mormon. Lorsque Jésus eut ainsi parlé, il jeta de nouveau les regards alentour sur la multitude et vit qu'elle était en larmes et avait les regards fixés sur lui, comme si elle voulait lui demander de demeurer encore un peu avec elle. Le Sauveur avait déjà passé une journée entière à servir le peuple. Cependant, il avait davantage à faire. Il devait rendre visite à ses autres brebis. Il devait aller à son père. Malgré ses obligations, il voyait que le peuple désirait qu'il reste un peu plus longtemps.
Alors, le cœur du Sauveur étant rempli de compassion, l'un des plus grands miracles de l'histoire du monde s'est produit. Il est resté. Il les a bénis. Il a servi leurs enfants un par un. Il a prié pour eux. Il a pleuré avec eux. Et il les a guéris. Sa promesse est éternelle. Il nous guérira. À ceux qui se sont écartés du chemin des alliances, sachez qu'il y a toujours de l'espoir. La guérison est toujours possible et il y a toujours un moyen de revenir. Son message éternel d'espérance est le baume guérisseur de toutes les personnes qui vivent dans un monde troublé. Il a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Frères et sœurs, souvenons-nous de le rechercher, de l'aimer et de nous souvenir de lui. Je témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime. Je témoigne également que Jésus-Christ est le Sauveur et le Rédempteur du monde. Il est le guérisseur suprême. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. The Lord Jesus Christ said, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Dans la version grecque de cette écriture, le mot « bon » signifie aussi « beau »,« magnifique ». Aujourd'hui, je voudrais parler du bon berger, du beau berger, du magnifique berger. Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, il est appelé le grand pasteur des brebis, le souverain pasteur, le pasteur et gardien de nos âmes. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe a écrit que comme un berger, il prendra soin de son troupeau. Dans le Livre de Mormon, il est appelé le bon berger et le grand et véritable berger. Dans les Doctrines et Alliances, le Seigneur déclare, « C'est pourquoi je suis au milieu de vous et je suis le bon berger. » De nos jours, le président Nelson a affirmé, « Le bon berger prend soin avec amour de toutes les brebis de son troupeau. » Et nous l'assistons dans cette tâche. Nous avons l'honneur d'apporter son amour en y ajoutant le nôtre à nos amis et voisins, de les nourrir, de les garder, de prendre soin d'eux, comme le Sauveur veut que nous le fassions. Plus récemment, il a déclaré, « La marque de l'Église vraie et vivante du Seigneur sera toujours une initiative organisée et dirigée pour veiller sur tous les enfants de Dieu et leurs familles. » Parce que cette Église est la sienne, nous, ses serviteurs, les servirons un par un, tout comme il l'a fait. Nous servirons en son nom, avec son pouvoir et son autorité, et avec sa bonté et son amour. Les pharisiens et les scribes ont murmuré contre le Seigneur, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Il a répondu en racontant trois belles histoires que nous connaissons comme la parabole de la brebis perdue, de la drachme perdue, et du fils prodigue. Il est intéressant de noter que quand Luc, auteur de cet évangile, a rapporté ces trois récits, il a utilisé le mot « parabole » au singulier, pas au pluriel. Le Seigneur a utilisé trois histoires pour enseigner une seule leçon. Dans chacune d'elles, il est question d'un nombre différent. 100 brebis, 10 drachmes et 2 fils. Cependant, le chiffre qui revient est le numéro 1. Nous apprenons ainsi que même si nous sommes chargés de veiller sur 100 frères et membres potentiels du Collège des Anciens, ou sur 10 jeunes filles, ou comme enseignant
sur deux enfants de la primaire, nous devons toujours les servir, prendre soin d'eux et les aimer un par un, individuellement. Nous ne disons jamais « quelle brebis stupide » ni « après tout, je n'ai vraiment pas besoin de cette drachme » ni « que ce fils est rebelle ». Si nous avons en nous l'amour pur du Christ, nous imitons l'homme dans l'histoire de la brebis perdue et laissons les 99 autres pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce que nous la trouvions. Or, as the woman in the dans l'histoire de la drachme perdue, nous allumons une lampe, balayons la maison et cherchons avec soin jusqu'à ce que nous la retrouvions. If we have with us the si nous avons en nous l'amour pur du Christ, nous suivons l'exemple du Père de l'histoire du Fils prodigue qui voit son Fils qui est encore loin, est ému de compassion, court se jeter à son cou et l'embrasser. Ressentons-nous l'urgence dans le cœur de l'homme qui n'a perdu qu'une seule brebis ou dans celui de la femme qui n'a perdu qu'une drachme? Ressentons-nous l'amour et la compassion ineffables dans le cœur du Père? Ma femme, Maria Isabelle, et moi avons servi en Amérique centrale. Nous résidions dans la ville de Guatemala. J'y ai rencontré Julia, une membre fidèle de l'Église. Je me suis senti poussé à l'interroger sur sa famille. Sa mère est décédée d'un cancer en 2011. Son père avait été un dirigeant fidèle dans son pieu. Il a servi en tant qu'évêque, puis conseiller du président de pieu pendant plusieurs années. C'était un véritable serviteur du Seigneur. Julia m'a raconté ses efforts inlassables pour rendre visite aux personnes et les servir. Il se réjouissait réellement de prendre soin des brebis précieuses du Seigneur. Il s'est remarié et est resté pratiquant dans l'Église. Quelques années plus tard, il a divorcé et devait retourner à l'Église, à nouveau seul. Il ne se sentait pas à sa place et avait l'impression qu'on le critiquait à cause de son divorce. Il a arrêté d'aller à l'Église, le cœur rempli d'amertume. Julia disait, « Le plus grand bien de ce merveilleux berger, un homme travailleur, aimant et compatissant. Je me souviens parfaitement du sentiment d'urgence qui m'a enveloppé quand elle me l'a décrit. Je voulais faire quelque chose pour lui, qui avait tant fait pour tant de gens pendant toutes ces années. Elle m'a donné son numéro de téléphone et je l'ai appelé, espérant pouvoir le rencontrer personnellement. Un jour, après plusieurs semaines et de nombreux appels sans réponse, il a finalement décroché. Je lui ai dit que j'avais rencontré sa fille Julia et que j'avais été captivé par la manière dont il avait servi et aimé les brebis précieuses du Seigneur pendant tant d'années. Il ne s'attendait pas à une telle remarque. Je lui ai dit que j'aimerais vraiment le rencontrer face à face. Il m'a demandé ce que j'attendais de cette rencontre. J'ai répondu, « J'aimerais rencontrer le Père d'une femme si merveilleuse. » Suspendu à l'autre bout du fil, j'ai attendu en silence pendant quelques secondes qui m'ont paru interminables. Puis, il a simplement demandé où et quand. Le jour où je l'ai rencontré,
Je l'ai invité à me raconter quelques expériences au cours desquelles il a rendu visite aux brebis précieuses du Seigneur et les a servies. Tandis qu'il me racontait ces histoires touchantes, j'ai remarqué que le ton de sa voix changeait et que l'esprit qu'il avait ressenti tant de fois en servant était revenu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je savais que c'était à mon tour de parler, mais je ne savais pas quoi dire. Dans mon esprit, j'ai prié, « Père, aide-moi. » Soudain, je me suis entendu dire, « Frère Florian, en tant que serviteur du Seigneur, je vous présente nos excuses pour ne pas avoir été là pour vous. Nous vous demandons pardon. Donnez-nous une nouvelle chance de vous montrer que nous vous aimons. Nous avons besoin de vous. Vous êtes important pour nous. The following Sunday. Le dimanche suivant, il était de retour. Il a eu un long entretien avec son évêque et est resté pratiquant. Quelques mois plus tard, il est décédé. Mais il était revenu. Je témoigne qu'avec l'aide du Sauveur, nous pouvons aimer ces brebis précieuses et les servir comme il le ferait. Et de la même façon, dans la ville de Guatemala, le Seigneur Jésus-Christ a ramené une de ses précieuses brebis au troupeau. Et il m'a enseigné une leçon de service que je ne pourrai jamais oublier. Au nom du bon berger, du beau berger, du magnifique berger, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions nos orateurs qui se sont adressés à nous de manière si inspirante. Et aussi le chœur de l'Institut pour la belle musique qu'il a interprétée. Le chœur terminera cette session en chantant « Ah, donne-moi Père ». Ensuite, Annette Dennis, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, fera la prière de clôture.
Our dear beloved Father in heaven. Notre cher Père Céleste, en conclusion de cette merveilleuse session de conférence générale, nous sommes reconnaissants pour les instructions inspirées que nous avons reçues aujourd'hui. Nous sommes si reconnaissants pour les prophètes et les apôtres et les autres dirigeants inspirés. Et nous prions que tu puisses continuer à les bénir eux et leurs familles. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui ont écouté aujourd'hui à travers le monde et nous te demandons de leur accorder de la paix, de la protection et de la force alors qu'ils avancent sur le chemin des alliances. Nous prions pour la génération montante, les enfants, les jeunes et les jeunes adultes de l'Église afin que tu puisses les fortifier et que tu puisses les aider à recevoir la force dont ils ont besoin. Nous sommes reconnaissants pour le Sauveur, pour son sacrifice expiatoire infini et pour l'espoir qu'il nous donne. Nous te prions de nous aider à le mettre au centre de tout ce que nous faisons et aide-nous à pouvoir suivre son exemple d'amour et de service et d'obéissance. Nous t'aimons, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Saturday evening. Vous venez d'assister à la session du samedi soir de la 193e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des 7 des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session était interprétée par un chœur composé d'étudiants de l'Institut de religion de Logan en Utah. Cette émission était diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Hello! Et merci de vous être joint aux millions de...